Tu te shoot comme un chapelle, on shoot comme les trop boring. Ouh, pop, 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 la bosse, merde. Salut les gens, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, pour bien commencer, j'ai choisi de faire la réaction de Dinos Argentique sur la chaîne Colors, ok? Et ils ont une sorte de segment, comme on dit en anglais, qui s'appelle A Colors Show, où ils invitent des artistes plus ou moins connus pour faire des performances dans une sorte de studio avec des couleurs très contrastées, tu vois? Et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat de ces vidéos. Alors, Dinos, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai fait la réaction de Stamina pour me valider sur Patreon et c'était vraiment la plus belle surprise de fin d'année concernant le hip-hop pour moi, ok? Alors, c'était l'album Stamina, c'est son troisième album, je crois. Et apparemment, il y a une virgule après le titre Stamina, tu vois. Ce qui voudrait peut-être dire que potentiellement, il y aurait une suite. Yes, baby. Les gens ont bien spéculé sur les suites, un peu comme l'album de Damso Calf. Tu sais, ils se disent, ah, peut-être qu'il y a une suite, on ne sait pas. Mais ouais, là, on est là pour réagir à Argentique et je suis sûr que le gars va tuer ça. Et j'ai hâte de faire les réactions de ses deux premiers albums. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News. Et bien évidemment, je dois remercier du fond du cœur mes validés pour leur soutien incroyable sur Patreon. Et d'ailleurs, il y a déjà 4 validés qui ont gentiment proposé d'être modo pour les futurs lives de la chaîne. Ça va être trop sympa et les modos, je vous salue. Ouais, sinon, les prochains albums qui vont arriver, donc... Il y a Vald, le dernier, hein, Ce monde est cruel, va falloir qu'on le fasse. Il y a donc le dernier album de Nekfeu, Les étoiles vagabondes, que je vais devoir couper en deux parce qu'il est super long, t'as genre 30 et quelques titres. Bon, faut pas abuser là. Il y aura du Dinos, il y aura du... comment on les appelle? Il y aura du PNL, si, un album. J'ai décidé de faire la réaction d'un album de PNL qui est dans la légende. Voilà, en tout cas, il y aura beaucoup d'albums dans le futur. Anywho, sans plus perdre de temps, on y va. Sinon, toi-même, tu sais, hein, il faut skipper quelques secondes pour éviter d'être démonétisé et bloqué. Yeah. Aïe. Ils ont choisi la couleur beige pour le gars. Yeah. Fuck toi, ton CDD. Fuck les boîtes dans le frigo. Fuck un taf en été. Fuck un passe-narigo. J'suis sur terre pour l'oseille. Pas roulé en Clio. Yo, j'adore le son là. J'aime trop ce son là. Je fais du bif depuis là, je fais des punchlines. Si jamais mes rêves brûlent comme le libertin. Enterrez-moi dans le même cimetière qu'aille. Ce soir ma vue est en argentée. 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 J'apprécie le fait qu'on ait des paroles là. Je suis mort avant de naître. Wow, des morts dans ma fenêtre. Non, alors le soir je rêve. Oh, Dubaï, Los Angeles. Je me demande s'il va kicker, c'est-à-dire qu'il va enlever l'autotune et que le gars va kicker. Alors, l'instru, il est vraiment nice, man. Il me rappelle trop les instrus aussi de Damso. Je verrais trop Damso feature dans ce son-là. Dams. J'ai plus l'âge de t'attendre sur les quais de la rapée. J'ai plus l'âge de t'attendre devant Nike Châtelet. Moi pas parler resto, si toi pas parler doggy.
tu te shoot comme à Chapelle, on shoot comme les trop bourrés. Ouh, la bosse, merde. En plus, c'était nice parce qu'elle dit « Metro comme pseudo booming, boom ». Tu vois, et le boom de la basse est rentré en même temps. Oh, mais la basse, là, elle est tellement lourde. T'as l'impression, tu la, tu, en fait, je la vois venir vers moi, tu sais, comme une sorte de tsunami, quoi. J'adore cette phrase. Nice, nice. Je vais plus rouler dans une. Ce soir ma vie est en argent. Ce soir ma vie est en argent. Par contre, je suis désolé, j'aime pas les rappeurs qui mumble. Ok, non, mais prononce les mots correctement. Ce soir ma vue est en argentique. Prononce. Ce soir ma vue est en argentique. Un peu comme Nekfeu, man. Nekfeu, pourquoi est-ce que Nekfeu dépasse la plupart des autres rappeurs? Le gars n'utilise pas d'autotune, ok? Et même s'il l'utilise, hein, genre, quand il chantonne, mais c'est tellement léger que tu ne le ressens pas, là. Mais je te jure, hein, ça fait quoi? Ça fait, j'ai fait réaction de deux de ses albums, hein. Y a pas d'autotune. Le gars, il kick, et il prononce bien. Il faut bien prononcer, man. Moi, je trouve que c'est un manque de respect quand tu prononces pas bien. C'est comme si t'étais high. Tu sais, que t'as pas toutes les fonctions pour pouvoir prononcer les mots correctement. S'il vous plaît, dites-moi que ça fait partie du truc. Le coffre, la toux, là, franchement, ça c'est cool. Je vais un autre radar, photo. Tu cherches Charlie, je cherche Oro. Moto, radar. Photo, hey, photo, yes, yes, c'est bon, ça, ça reste dans la tête, direct dans mon téléphone. Bon, pas cette version, je vais chercher, je vais trouver la version originale là, mais direct dans le téléphone, parce que c'est une vibe, man. Et Damso aurait tellement déchiré sur ça, dites-moi que vous êtes d'accord avec moi là. Ça a cette brosson noire, tu sais, mood là de Damso. Oh. Charlie. Moi je cherche euro. Non. Coq, héros, crack, contre la ciudad. Si tu mets ton nom, ne me suis pas. Tu vois, c'est ça aussi que j'aime bien avec Dinos. C'est son rythme saccadé. Qui me rappelle aussi un petit peu celui de Vald. Ce qui est bien avec Vald, c'est qu'il est capable de faire tous les flows disponibles. Nekfeu, lui, il fait pas souvent, il prend pas souvent ce flow-là. Mais Dinos, dans son album Stamina, j'ai remarqué ce flow-là dans plusieurs chansons. Et ça te permet de rapper avec lui assez facilement. Par contre, j'aimerais bien le voir kicker plus rapidement, être plus vénère, être plus... Bon, il a quand même montré dans Stamina. Franchement, Stamina, c'est un album très complet. Nice, ça a changé ça, la mélodie. Hey. Les cloches. Oh my god, man, les gars, il va falloir que j'étudie cet instru parce que j'ai vraiment adoré. Ils ont joué beaucoup avec les reverse et tout. C'est tout un mood. Il y avait des slides, mais pas les slides à la drill, c'est des slides plus long en fait, tu vois, et qui te donne ce mood relax et tout. Oh, j'ai trop adoré Argentique de Dinos. Est-ce qu'elle fait même partie d'un album? Dites-moi dans les commentaires. Mais moi, je vais trouver l'original. Je m'en fous là. Il me faut celle-là tout de suite dans mon téléphone. Yes, sir. Dinos, les gars, faites attention. Il arrive en force. Et j'aimerais qu'il ait des featuring avec Damso. Je pense que ces deux-là pourraient grave tuer un son là. Easy, franchement.
Et en fait, je kiffe les producteurs de Dinos. Ken et Ryu, c'est ça, je crois. Hein. Ryu et Ken. Ils sont trop forts. Ils sont très, très forts. Je les préfère à CZ de Val, par exemple. Bon, maintenant, c'est à votre tour de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, bien sûr. Et n'hésitez pas à lancer vos suggestions dans les commentaires. À part ça, prenez soin de vous, passez une excellente journée. Et si j'ai la force, ce week-end, on fera un live où je prendrai vos suggestions pour des réactions. Hein. Et dépendamment du chat et tout, on verra si le live va durer. Parce que je veux dire, des réactions, ça prend du temps, tu vois. Donc, il se pourrait que je sois là en live pendant 3 heures, tu vois. Ça serait pas cool, ça. Mais ça dépend. Ça dépend si je suis occupé. Donc, on verra. Je promets rien. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment?